Voici la nouvelle commission de Miss Neuchâtel Fête des Vendanges. Andrea Gardet, Éric Lebas, Véronique Pierre-Imbert, Sylvia Bracheur et la pétulante Inès Amaral comme nouvelle présidente. Ce beau sourire vous dit peut-être quelque chose. Eh oui, en 2005, elle a participé à l'élection. Elle a convaincu une membre de l'ancien comité des missionnaires de participer à l'aventure. On s'attache à ces personnes qu'on rencontre, à ce milieu qui est pas tout à fait comme on l'imagine. Et le fait maintenant de pouvoir reprendre, de continuer dans l'aventure, mais sous une autre casquette, est quelque chose pour moi très intéressant. Sous une autre casquette, ou plutôt sous un autre chapeau, non? Le casting se déroulera le 21 mars à la Maladière, et la plus belle des Neuchâteloises à s'être présentée sera couronnée au Temple du Bas le 29 août. Grande nouveauté cette année, les filles devront mesurer 1m68, au moins, soit 4 cm de plus, que les années précédentes, car la gagnante recevra un sésame pour la finale de Miss Suisse Romande. En passant d'un président à une présidente, les Miss ont peut-être gagné au change. C'est lui qui choisissait les talons. Oui, il a choisi les chaussures. Par contre, ça... Il n'a pas très bien choisi, ça faisait mal. Alors, en ayant souffert moi-même le martyr à certaines occasions, je pense qu'on essaiera de chausser nos miss avec des escarpins qu'elles puissent endurer toute la journée. Tout à fait.